Bien, messieurs, dames, pour certains, rappelez-vous, nous nous étions quittés fin mars. J'avais le plaisir à cette époque d'avoir dirigé la campagne de Madame Joassin. Aujourd'hui, c'est en tant qu'élu de la Durane que j'ai vraiment l'honneur et le plaisir de vous accueillir dans ce merveilleux coin de la Durane. Alors, si j'osais, je dirais que c'est le plus beau quartier d'Aix, mais pour ne pas froisser... Mais pour ne pas froisser mes collègues élus, c'est un des plus beaux. Vous voyez, on veut le conserver en l'état. Voilà. Alors, très rapidement, parce que ce soir, c'est Madame le maire qui veut vous dire deux mots. Je voulais vous dire que... tout à l'heure, j'étais un peu un païen, je crois, dans l'âme. Parce qu'après avoir prié les dieux des urnes, pendant 7 mois, je vous avoue que ce matin, à 4 heures du matin, comme un idiot sur la terrasse avec la pluie qui tombait, je me suis mis à prier les dieux de la météo. Eh bien, vous voyez, les dieux des urnes, ils ont été avec nous, ils le sont aussi pour la météo. Mesdames et messieurs, nous avons fait notre possible pour vous rendre cette journée festive, agréable. J'espère que vous passerez une bonne journée et je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup. Allez. Bon, Madame le maire, chers collègues et chers amis, merci d'être venus aussi nombreux. Nous avions dit avec Maryse et l'équipe que, compte tenu de ce qui s'était passé pendant les élections municipales, il fallait que Maryse, et Maryse voulait, vous dire merci. Parce que, juste un petit rappel, on ne va pas faire de politique aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Mais allez, il faut toujours se souvenir un peu. Au premier tour, elle est arrivée en tête dans 89 bureaux de vote sur 90. Au deuxième tour, elle a gagné, grâce à vous, de 8250 voix d'avance, 53% des voix en triangulaire. Ce qui fait que dans l'histoire politique d'Aix-en-Provence, Maryse Joassin-Mazzini a été le maire le mieux élu depuis l'après-guerre. Et alors, avec Maryse, tous ensemble, nous avons voulu vous dire merci, et elle le dira mieux que moi, mais surtout on a voulu prolonger ce climat à la permanence qu'il y avait sur le cours Mirabeau, où il y avait tous les Aixois, de toute catégorie sociale, de toute origine, de tout niveau, peu importe, il y avait une ambiance. Et cette ambiance, nous n'avons pas voulu la perdre. Donc avec l'accord de Maryse, très prochainement, au 9 rue Lacépède à Aix-en-Provence, une permanence, la Force pour Aix, sera ouverte et vous serez informé pour son inauguration. Avec Maryse, on continue le combat. Merci beaucoup.